va baisser la main. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en dis? Toi, tu ne dois pas te laisser tromper ou emporter parce qu'ils sont partis. Comme je dis toujours aux gens, si tu ne peux pas réussir à convaincre quelqu'un de venir chez toi, dans ton église, ne te fais pas convaincre d'abandonner ton église. Alléluia. Le témoignage. J'étais quelque part un jour, on nous a donné à manger. Il y avait une chrétienne catholique, j'espère convaincue. Il y avait aussi des bouddhistes là-bas. Cette personne savait qu'elle doit prier avant de manger. Mais elle avait aussi honte de prier avec ce monde. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? De la croix, c'est notre drapeau. Il faut le faire avec fierté. Vous voyez comment est-ce que les gens, là, je l'appelle souvent les souffrants, les témoins de Jéhovah. Vous voyez avec quel courage ils travaillent. Ils peuvent passer, si ils passent aujourd'hui, vous dites, venez demain, ils arrivent. Venez après demain, ils arrivent. Pourquoi? Ils ont compris le sens de ce qu'ils font. Je ne sais pas que je partage ça. Mais j'admire leur courage. C'est ce qui nous manque, nos catholiques. J'ai vu et j'ai un témoignage. Et le témoignage pour annoncer l'évangile n'est pas une exclusivité des prêtres. Nous, comme sacrement, oui, mais chacun qu'on baptisé. Nous sommes tous prêtres en vertu du baptême. On appelle le sacerdoce royal. Maintenant, il y a le sacerdoce ministériel, celui que nous avons reçu, nos prêtres, par l'ordination. Mais en vertu du baptême, chacun a été ouvert pour annoncer. Comme on a écouté dans la première lecture, tu es mon serviteur, en toi je manifesterai ma splendeur. Alléluia. En toi, Dieu manifestera sa splendeur. Te demander, mais moi je suis la splendeur des dieux. Qui me voit va dire vraiment waouh, regardez le Christ dans cette personne. Comme Paul disait, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Christ qui parle à moi. Faisons-nous cet examen de conscience. À la fin de la messe, après avoir reçu Jésus dans l'Eucharistie, qui me verra et on dira waouh, et le Christ est dans cette personne. Pour on est là à la messe, souvent, l'homme excusé, non, souvent le monde féminin, chacun commence à regarder. Ah, regardez là, le make-up est comment ta taille. Et tu perds ton temps à l'église vérifier le make-up de l'autre. Oh, on fait la guerre. Tu n'es pas venu ici regarder qui est bien habillé ou qui est mal habillé. Nous sommes tous ici parce que le patron de Christ nous a convoqués. Pas pour regarder comment est-ce que les autres sont habillés, comment la, quelle voiture il a amené, il est venu à moto. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça ce qu'il nous a dit. Fixé sur la parole de Dieu, tu te fixes sur l'autre. J'ai un garçon, peut-être qu'il n'a même pas envie de venir prier, mais parce qu'il a déjà fixé cette fille-là. Il est là, il est en train de voir comment elle s'introduit. C'est pas ici où il y a l'agence des groupes pour utiliser les filles. Pour trouver un homme. C'est pas ici. Ici, on vient rencontrer le Christ. Si en rencontrant le Christ veut aussi te donner un cadeau, un homme, une femme, ok. Mais ne pars pas avec l'objectif à la maison, je vais aller plus vite, t'as pas ta main à moi. Non. Oh, j'entre dans cette chorale parce qu'il y a quand même un fixe à l'amour. Non. C'est pas ça. Nous venons voir le Christ et le témoigner dehors. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qui est ce toi-là? C'est toi. Le Christ est fait de toi la lumière des nations pour que son salut arrive aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre partent de ta famille. Sortant de la messe, que ta famille puisse voir que tu es une lumière qui portait le salut, qui portait le Christ. Et c'est seulement en témoignant qu'on peut vraiment suivre le Christ. C'est ce que Paul nous disait aussi dans la deuxième lecture. Appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ. Appelé.
appelé par la volonté de Dieu. Personne n'est ici parce qu'il mérite d'être ici. Et les personnes qui sont mortes n'ont pas commis beaucoup de péchés plus que nous. Alors, qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour être présent cette jour ici? Absolument rien. C'est la volonté de Dieu, l'amour que le Christ a envers toi malgré tes péchés. Alors, il faut rendre grâce au Christ. Il faut témoigner du Christ. Le pape Paul VI disait, il y a une demi, presque c'est au-delà de 50 ans, il disait ça, mais c'est très actuel. Le monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Et s'il accepte des témoins, s'il accepte des maîtres, parce qu'ils se sont manifestés comme des témoins. Les maîtres sont ceux-là qui s'assurent, là, commencent à donner, fais ceci, ne regardez pas ce que j'ai fait, mais faites ceci, ceci, donne des ordres. C'est pas ça, le monde n'a pas besoin de gens comme ça, ils ont besoin de témoins, des gens qui agissent par l'exemple. Et c'est seulement cette façon que tu seras acquis comme maître. Demandons au Seigneur vraiment en ce dimanche la grâce d'être cette personne qui ça le rencontre. C'est ça le vrai voir. Voir, ce n'est pas seulement des yeux. La vision spirituelle qui me fait voir que je deviens une personne nouvelle. Agneau. Voici l'agneau de Dieu. On attendait un Messie comme le lion de la tribu de Juda. Mais il se présente comme agneau. Pas comme lion. Il est docile. C'est la vertu que nous devons demander aussi. Être docile. Ne pas être des loups ou des lions dans la vie des autres, mais des agneaux, ces personnes simples, humbles, prêtes à servir et non à se servir. Notre pays souffre parce que chacun cherche à se servir, non à servir les autres. Première chose, prochain. Bon, comment se dire? L'expression en vogue, non? Monsieur Rabbi, si un type de dit à Jérusalem, donc, première chose, il faut penser à lui. C'est pas ça. Si on est humble, si on est comme agneau, on sera prêt à servir et à témoigner le Christ. Que la Vierge Marie intercède pour moi ce dimanche pour que nous soyons vraiment des véritables témoins de son Fils Jésus, le Christ. Amen. Amen.